Il n'est pas trop tard. Elisa, allez. Vous deux là-haut, si jamais elle s'énerve, utilisez les machines. Comstock, qu'est-ce que vous lui faites? Laissez-la. Monsieur DeWitt, comment dit-on déjà? À la fois trop tard et trop peu. Putain! Je peux pas désactiver cette merde? Il faut que je rentre là-dedans. Peut-être qu'on était dans ces machines d'en haut. Oui, putain, j'ai réussi. Crève. Allez, dis-moi qu'elle est sauve. Oh. Je suis là, tout va bien. Attends, je vais arranger ça. T'es prête? Allez-y. C'est parti. Donnez-moi un coup de main. Quelqu'un m'a demandé de te donner ce truc. Qu'est-ce que c'est? Lis-le. Votre vision de New York se réalise. Et c'est moi. C'est moi qui... Ah, elle nous donne un moyen de passer Songbird. On va trouver un dirigeable et partir à Paris, Elisabeth. Souviens-toi, nous tu voulais visiter... Nous ne partons pas. Nous allons trouver Comstock. Pourquoi? Vous avez vu ce qu'il a fait de moi. Je ne le laisserai pas faire. Et alors quoi? Tu vas le tuer? C'est maintenant que vous venez me faire la morale, Booker? N'oubliez pas que je vous connais. Je ne vais pas te laisser le tuer. Vraiment, Booker? Et qu'allez-vous faire pour m'en empêcher? Rien du tout. Parce que je vais m'en charger pour toi. J'ai vu le moment où elle allait me tuer. Très bien, allons trouver ce prophète. Le zeppelin de Comstock est dehors. Il l'appelle la main du prophète. Ouais. Comment tu sais ça? C'est original. Je suis là depuis longtemps. Combien de temps? Désolé. Désolé. J'espère que j'ai Comstock est inspiré de moi. Parce qu'il m'a... Tu pourrais m'ouvrir ça? Je vais voir ce que je peux y a, faire. Il y a un truc à vie derrière, c'est ça m'intéresse. Allez-y. Merci.
La procédure serait d'une aide précieuse pour remédier aux problèmes rencontrés avec la fille. Une fois l'appareil implanté, tout effort de sa part pour modifier l'état des choses se transformerait en choc électrique horriblement douloureux. Pavlov a fait saliver un chien. Nous, nous le ferons couiner. Ah, c'est pour ça qu'elle souffrait autant, en fait. Parce que dès qu'elle essayait de se sauver, en fait, ben... Aïe, quoi. Tu peux ouvrir ça? J'y vais. Allez. Ouf, on va s'en sortir. Voilà qui est fait. Poc. Tout cela n'a aucun sens. Je comprends absolument tous ces codes, à l'exception de ce symbole. Lequel? C'est une cage. Est-ce qu'elle a expliqué quoi que ce soit? Non. Au début, on a choisi entre la cage et l'oiseau. J'avais pris l'oiseau. Est-ce qu'il y aurait un lien? Un lien quelconque entre ces deux éléments? Je ne sais point, mais nous le saurons bientôt. Je pense que nous le dirons. Je mange une chips. Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'ai pas bouffé, hein. Depuis le début de la session, en fait, c'est midi. Là, c'est 4h. Et j'ai toujours pas bouffé. Je commence à avoir le estomac qui fait... Hey, il faut me nourrir. J'ai rien acheté du coup, puisque j'ai... Regardez! C'est la main du prophète. Le vaisseau de Comstock. Nous devons absolument monter à bord. Bouge pas, je m'en occupe. Soit nous y allons tous les deux, soit j'y vais seul. Dans les deux cas, je dois savoir que c'est fait. Oh, d'accord. Et oui, acceptez la prophétie. Arrêtez de vous débattre. Vous êtes la pierre dans la fronde. Admirez toute la beauté du lancer et l'excitation de la descente à mesure que la gravité vous rapproche de l'inévitable. Cool story. C'est fait. T'as pris ton temps pour une fois. C'est quoi ce bruit? Ouvre-la! C'est sûrement des éclats? Non, pas des éclats. Ce sont... Regarde bien, Elisabeth. J'ai construit tout ça pour toi. Tu es mon héritière, mon sang. Et qu'est-ce que DeWitt a fait pour toi? Pour lui, tu ne seras jamais rien de plus qu'un moyen pour arriver à ses fins. Je fais de la merde. La 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 la. Ok, attrapé. Merci. Merci ma chère Elisabeth. Merci. Mieux. Explosion. Normalement ça fait mal. Hein? Quoi? De manière générale, tout le monde veut me buter, tu sais, donc... Merci mec. Mec, oula.
J'ai pas filé, j'ai reculé. Ah ouais. Christo. Merci. Alors avant de partir. Non, vas-y, démonte. Arrête de crier. Tu peux regarder cette serrure. Laissez-moi inspecter. Je te laisse inspecter. C'est fait. Merci. Je fais un petit tour, tu m'excuses. Oh! Putain, tu me marches vite! En fait, c'était les portes, hein, que vous avez pas pigé. Oh bah tiens, il y a un bug là. Il y a le symbole du dollar qui reste au milieu de l'écran. Ouvre-la. Crochet. Balle. Rosaline. Mon frère m'a lancé un ultimatum. Si nous ne renvoyons pas la fille d'où nous l'avons fait venir, nous devrons nous séparer. Là où il voit une page blanche, je vois le roi lire. Mais c'est mon frère. Alors je dois jouer mon rôle, même si je sais que toute cette histoire finira mal. Ça, je peux te confirmer que ça finit mal. Pour être en train de le vivre. C'est verrouillé. Je peux le faire. C'est quoi qui s'est verrouillé? Oh, bien, j'ai pas vu le coffre. J'ai appuyé sur X comme un dératé, donc... Allez-y. Bien joué. Toi, t'as le don de me faire flipper à chaque fois, je te le dis. Retour à l'envoyeur, ça a l'air cool. Donc je l'upgrade même si ça me sert à rien. Ce vaisseau va retourner à la main du prophète. J'attends que vous m'en donniez l'ordre pour continuer. Vas-y. Ça va aller toi? On va voir, El Padre, si j'ose dire. Mais ça va pas être aussi facile que ça, je pense. Vous croyez que... Vous croyez... qu'on a la possibilité de racheter tous nos actes? Racheter? Je vois pas trop l'intérêt. Est-ce que vous craignez Dieu? Non. Non. Je te crains toi. Je te crains toi. Il l'a dit au début. Est-ce que vous craignez, est-ce que Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Et elle, il lui a répondu non, mais je te crains toi. Là-bas, regardez, les hommes de Kodusak viennent à notre rencontre. Parfait. Yata. Bien, tu peux y arriver. Elisabeth. Un autre vaisseau sur la gauche. La gauche. Ok. Attends, la gauche. Ah oui, là. Deux même. Ça, je finis par choper le coup de main, je pense.
Allez-y, bah, mettez-vous sur la gueule, moi ça m'arrange. Là-bas, en voilà d'autres. C'est fini pour toi. Là, des munitions. Voilà pour vous. C'est parfait. Mais vas-y. Merci. Et nous battre pour le... Ou alors, on peut mettre le cap sur Paris. Vous avez le droit de me laisser là. Ce n'est pas votre problème, Booker. Je ne vais pas t'abandonner. C'est bien vrai? Vous le jurez? Non. Oui, pardon. Pouh. Écoute, je vais te dire, après tout ce Regardez que j'ai traversé... Des lignes d'aérotrames, partout sur le vaisseau. Elles sont couvertes de capsules pour patriotes motorisés. C'est de là qu'ils doivent sortir. On doit se débarrasser des capsules si on veut approcher. Comstock est au sommet. Je t'en prie. Allons-y. Je pense qu'avec le mal que je me suis donné regarde pour te faire sortir de là. Regarde-le. Il y a quelque chose chez lui que tu n'arrives pas à saisir. Tu comprendras bientôt qui je suis et qui il n'est pas. Merci. Non, c'est pas ça que je voulais. Et de toute urgence, il me faudrait... Alors, Elisabeth, entre nous... Merci. Si j'ose dire. Oups. Je suis tombé. Je pense quand même qu'on est proche de la fin là, parce qu'on attaque Comstock et tout. Celle-là, maintenant. Je m'en occupe. Non, moi je croyais qu'on allait aller à Paris. Mais que dalle. Je suis déçu. Quelqu'un là-bas?
Ah non, c'est là où je suis arrivé. Faut seulement que j'aille de l'autre côté. Il a dit qu'il y avait des patriotes motorisés, tout le truc là, c'est ça. Donc faut seulement que je dégage les lignes. Cette porte mène au pont suivant. Il doit y avoir un autre moyen de monter. Hop. Ça doit être là. Booker, cet aérotram mène au pont suivant. Ça va faire le ménage. J'ai vu les premières étincelles qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui vais mener à bien cette mission. C'est toi, qui t'en chargeras, Elisabeth. C'est ta mission. C'est ma mission. Eh ben. La voie est dégagée, Booker. Suis-moi. À la gauche de notre agneau se tient le faux berger, et à sa droite, les vestiges d'une force populaire d'hérétique. Lequel d'entre vous ne sacrifierait pas tout de bon cœur pour la voir accomplir son destin? Réjouissez-vous, réjouissez-vous, la mort est douce. Y a un problème. Ouais. Pourquoi elle ne va pas, plus vite? J'en sais rien. Il faut qu'on patiente. Oh putain! Il y a la cavalerie seulement qui m'arrive sur la gueule. Et c'est pas les mecs de Comstock là, c'est la Vox Populi. Oh putain. Trouvez quelque chose. Elisabeth. Merci. Aïe. C'est vrai qu'on n'est pas pressé. Alors, Elisabeth, entre nous, on est un peu au fond. Ben on va se casser d'ici très vite. C'est peut-être moi qui vous terrasse des 8, mais vous n'êtes jamais loin de l'autodestruction. Vous causerez peut-être votre propre chute. Ouais. On y est. Entrez sur le troisième pont. De le faire devenir comme lui. Je ne vais pas la laisser, le laisser faire. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Non, je viens avec vous. T'as l'air un peu têtu, hein. Puis vu tes pouvoirs, vu ce que t'as essayé de me faire la dernière fois avec une un coup de tornade, je préfère éviter, tu vois. Ouh, ça sent la baston par ici. Là, sur quatre automatique. Merci. Je
nôtre. Putain, je peux pas descendre. Saignez. Celle-là, maintenant. Voilà. Ici. Au revoir. Merci. Eh ben putain. Cabine du prophète. C'est là que ça va être drôle, c'est ça? Tenez, de l'argent. Merci. Y'a pas un petit vendeur de balles là? J'ai l'impression que mon PC il est à genoux là. Je sais pas si ça va donner au niveau de la capture, mais. Vous êtes là pour payer vos dettes, faux bergers. Mais non. Jamais vous ne pourrez trouver la rédemption. Certains péchés ne peuvent. Va être absous, ta gueule. C'est ma tour. Qu'est-ce que c'est? Le siphon? Ouais, je l'ai vu. Le là. Siphon, fond, fond, chanter là-dessus. Et ta voix a mis la machine en marche. Et dans la tombe de ma mère, il y en avait un plus petit. Il me vidait. C'est pour ça que je ne peux pas. Peux pas quoi? Quand j'étais petite, je pouvais non seulement ouvrir des failles, mais aussi en créer de nouvelles qui menaient partout où je voulais. Mais dans la tour. Bon. Ne bouge pas. Je m'en occupe. Non, Booker. C'est entre lui et moi. Il essaie de te tendre lui un piège. Et nous. Je n'ai pas le choix. Approche, mon enfant. Allons, je ne mords pas. Doux Jésus, comme tu as grandi. Dites-moi, qu'est-ce que je suis ? Regarde un peu dans quel état tu es. La touchez pas! Elisabeth, tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Protéger de quoi? La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Mais l'archange a fait une autre révélation. Méfie-toi, prophète. Méfie-toi du faux berger, Booker DeWitt, car il viendra s'interposer avec sa destinée. Pourquoi? DeWitt, je suis un imbécile. J'ai envoyé des armées contre vous. Je vous ai noyé sous les flammes célestes. J'ai fait tout ça pour vous tenir éloigné, alors que je n'avais qu'à lui dire la vérité. Demande-lui, petite. Demande-lui ce qui est arrivé à ton doigt. Demande à DeWitt. Ne me touchez pas. C'est votre fille, salopard. Et vous l'avez abandonnée. Ça valait le coup, hein? Vous avez eu ce que vous voulez? Dites-moi! Dites-moi! Voilà. C'est terminé. Non! C'est pas terminé! Vous l'enfermez toute sa vie! Vous lui coupez le doigt! Et vous mettez ça sur le dos! Vous l'avez tué. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Hein?
Dites-moi, qu'est-ce qu'il voulait dire pour mon doigt? J'en sais rien. Je pensais que c'était de naissance, je sais pas. Votre nez. Vous saignez. Hein? Elisabeth, je te le jure, je ne sais absolument pas de quoi il parlait. Si, vous savez. Il faut juste vous en souvenir. Non. Je vais te le prouver. On va détruire le siphon. La réponse est derrière une de tes portes, il te suffit de l'ouvrir. Détruire le siphon? C'est la tour tout entière, Booker. Comment voulez-vous qu'on fasse? Je sais pas, mais j'aurais bien une idée en route. Est-ce que vous voyez le coup fourré venir? Genre, en fait, Elisabeth, c'est ma fille. Est-ce que vous le voyez venir? Gros comme une maison. Bref, Comstock est mort. Tu pourrais m'ouvrir ça? Ah, elle m'ouvre même plus. Tu pourrais m'ouvrir ça, elle l'ouvre, point. Ça va appeler le Songbird. Je suis pas trop con encore. Barry? Cache, qu'est-ce que... Bon, et maintenant? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire? Une cage. Une cage, quelque chose m'échappe. Allons. Il disait savoir ce qu'il nous fallait. Booker? Il disait savoir ce qui nous attendait. Hein? Booker! Je n'ai plus venir tout ça. Bon, on va se préparer. Je crois qu'ils veulent monter à bord. On te laissera pas sur le trône. On va l'envoyer dans sa tombe. Oh oh. Hey, qu'est-ce que tu fais? On doit chanter pour lui. Chanter pour qui? Elisabeth. Pourquoi? J'ai... C'est pas un mot, Booker. C'est une chanson. Wow! Chut, tout va bien. Je suis là. Tu vas m'aider. J'ai besoin que tu me protèges, tu es d'accord? Tu veux faire ça pour moi, juste une dernière fois. S'il te plaît. Allez. Enculé. Allez, allez, allez. Booker, il va nous aider. Utilisons-le contre cette flotte. Des roquettes. Et je dirige comment? Contrôler Songbird pour attaquer vos ennemis. Visez une cible d'un X pour attaquer. Va sur le vaisseau. Merci. Derrière toi. Attention. Là. Thailand.
Waouh. Détruis ce vaisseau. Oh. Finalement, il est pas si méchant cet oiseau. C'est toi qui tire là. Merde. Je vais tâcher d'en trouver d'autres. Merci. Faudrait que le Songbird se dépêche. Je n'aime pas ça du tout. Ouais, fin, je suis un peu tout seul, moi, être humain, contre Zeppelin. Putain, je comprends plus rien à ce qui se passe. Un peu l'anarchie ici. Oh, je me suis chié quoi. Attrapé. Super. Là, celle-là.
Attaque ce vaisseau. Allez. Ouh. Oula. Ah, faut juste attendre Songbird parce que... Qu'est-ce que je suis censé faire quand on est zeppelin quoi? Songbird est prêt, Booker. Ah ah, le zeppelin, descends-le. Booker, tenez. C'est parfait. Putain, me donne des balles de lance-roquette. Eh ben putain, j'ai plus de balles. Oh. Oh merde. Ah non, c'est bon, c'est pas... C'est Columbia, c'est pas New York. Booker, par ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, vous pouvez utiliser Songbird pour tout détruire. Détruire le siphon. Et c'est ce que tu veux? C'est le seul moyen de connaître la vérité. Pour mon doigt... Pour Comstock, pour tout. Eh bien... Détruis-le. Détruis tout. Détruis tout. Hein? Où il est? Où il est? Ça va. Ce n'est rien. Je suis là. Laisse-toi aller. Très bien. Comme ça. Elisabeth, je suis désolé. Où est-ce qu'on est? Elisabeth? C'est un passage. Mais il y en a d'autres. Par ici! Comment ça, c'est un passage? Où est-ce que tu vas? Venez! Allez, c'est par là!
Ce que Comstock a dit sur ton doigt. Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce que... C'est par là! C'est là que nous devons aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Ça veut dire quoi, cet impassage? Je vais vous montrer. Ça sent les ennuis, tout ça. Une ville au fond de l'océan? Mais c'est absurde. Regardez. Des milliers de portes. Elles s'ouvrent toutes en même temps. Mon Dieu, c'est magnifique. Quoi? Les étoiles? Allez, venez, c'est par là. Allez! Tu vas essayer de l'ouvrir? Ça ne marche pas. C'est pas juste. Je pensais qu'une fois ici, je pourrais tout contrôler. Je pensais... Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Et d'où elle sort? Elle a toujours été là, mais... je ne pouvais pas la voir. Vous voyez? Des portes. Pas des étoiles. Des portes qui mènent où? Elles mènent partout. Il ne nous reste qu'à choisir. D'où ils sortent tous ces phares? Qu'est-ce qu'on fait? Qui... Ce sont des millions de millions de mondes. Tous différents et tous semblables. Des constantes et des variables. Comment? Il y a toujours un phare. Il y a toujours un homme. Et toujours une ville. Comment tu sais tout ça? Je les vois derrière les portes. Vous, moi, Columbia, Songbird. Mais parfois, quelque chose change. Nous devons sauver... Des constantes et des variables. Oui. Regardez. Mais c'est nous? Pas tout à fait. Le voyage est différent, pas la destination. Tout commence toujours par un phare. Je ne comprends pas. Ce n'est pas très grave. Ça ne changera rien aux événements. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Dans le passé, dans le futur. Il y a tellement de choix possibles. Ils nous mènent tous au même endroit. Au commencement. Personne ne me dit où je dois aller. Booker, c'est trop tard pour ça. Là, c'était il y a une vingtaine d'années, juste après Wounded Knee. J'étais à la recherche de... Allez, mon fils, le temps presse. Que faisiez-vous là? Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? Êtes-vous prêt à être purifié?
Êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois? Prenez ma main. Non. Non, je veux pas. Mais c'est déjà trop tard, n'est-ce pas? Êtes-vous prêt à renaître? Je suis prêt. Vous repentez-vous? Oui. Regrettez-vous votre cruauté? Oui. Voulez-vous repartir du début, abandonner votre ancienne vie et renaître dans le sang de l'agneau? Oui. Jésus, purifie cet homme. Père, non. Fais-le renaître. Attendez, stop. Arrêtez. Non. Laissez-moi. Stop. Vous ne vous êtes pas laissé. Tu crois qu'une simple baignade suffirait à effacer mon passé? Sortons vite d'ici. Les portes dont tu parles, ce sont les failles, pas vrai? Alors ouvre-en une. Ouvre-en une vers Paris, je refuse de rester ici. On doit d'abord trouver Comstock. Comstock est mort! Non. Il était là. Venez. Ça devient trop perché pour moi, là. J'ai du mal à suivre. Pour mes dettes. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. C'est l'homme qui m'a embauché pour te retrouver. Vraiment? Oui. La fille contre la dette. Attends, attends. Non, 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 ça va pas. Qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas de bébé. Je m'en souviens. Non, il n'y avait pas de bébé. Et si c'était le cas, jamais j'aurais accepté de le donner à ce type. Booker, c'est le seul moyen de quitter cette pièce. DeWitt, le temps presse. Ramenez la fille et nous effaçons la dette. Allez-y. Non. Vous pouvez attendre tant que vous voulez. Vous finirez par lui donner ce qu'il veut. Mais comment tu sais tout ça? Je vois toutes les portes. Et tout ce que cachent ces portes. Et derrière l'une d'entre elles, je le vois, lui. Comstock. J'ai pas vraiment le choix. La dette est effacée. Comstock a purifié tous vos péchés. Ramenez la fille pour effacer vos dettes. Il n'y avait pas de bébé. Le marché, c'était d'aller te chercher à Columbia. Booker, vous signez? Non. Je sais très bien ce dont je me souviens. Nous l'avons chamboulé. Et je doute fort que la suite n'arrange son état. Allez. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comstock est mort. On n'a plus qu'à reprendre le cours de nos vies. Pas besoin de... Comme Chen Lin, vous voulez dire? Comme Madame Comstock? Non. Il est en vie dans des millions de millions de mondes. La mort du prophète ne résout pas le problème. Il ne sera résolu que si nous l'empêchons de ne jamais voir le jour. What? Hé, ça marche plus, vous entendez? Ça ne marche plus! Rendez-la-moi! Rendez-la! Non! Tu ne vas pas rester coincé! Viens! Rendez-la-moi, sale enfoiré! Non! Non, non, non! Non! Anna! Anna! Rendez-moi ma fille! Non! Anna. Non. Non. Je suis désolé. Je suis désolé, Anna.
Anna, je suis désolé. Donc j'avais raison, Elisabeth est bien la fille de Booker. Bon, on continue. Elle est partie, Booker. Anna, vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir, vous offre une chance de rédemption. Une chance de nous réunir. Anna. Anna. Je suis désolé, Anna. Tu penses qu'il s'est marqué au fer rouge en signe de pénitence? Il m'a dit. Pourquoi faire? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait sera fait. Cette marque est un peu son cilice, comme lui est le nôtre. Ramenez la fille. Et nous effacerons la dette. Ramenez. Ramenez la fille. Nous effacerons la dette. Tu vois ? Ramenez la fille. Nous effacerons. Ramenez la fille. Nous effacerons. Ramenez la fille. Nous effacerons. Oh, je sais bien. Booker, debout. Booker, réveillez-vous. C'est là que tout a commencé. Je t'ai vendu. Je... vendu. À votre décharge, vous avez tenté de faire machine arrière. Tout est de la faute de Comstock. Si je revenais en arrière, que je le tuais avant que tout ça n'arrive. Ça y est, tout se met en place. Mais comment savoir à quelle date remonter? Je vois pas d'autre solution. Remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau. Vraiment, ce que vous voulez. J'ai pas le choix. C'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait. Booker DeWitt, êtes-vous prêt à... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est revenu ici? Ce n'est pas le même endroit, Booker. Bien sûr que si, je me souviens... Attends. Tu n'es pas... Tu n'es pas... Qui es-tu? Vous avez refusé, mais pas dans toutes les réalités. Vous avez accepté, et vous renaissez sous une autre identité. Comstock. Il faut qu'on arrête tout ça. Ne jamais commencer. Pas uniquement dans ce monde, mais dans tous nos mondes. L'étouffer au berceau. L'étouffer. Avant qu'il ne choisisse. Avant qu'il ne renaisse. Il est Zachary Comstock. Il est Booker DeWitt. Je suis... les deux. La vache. Date fin, quoi. Oh.
coup, Elisabeth est morte. On a fait tout ça pour rien. Bon, ben, franchement, super jeu. La fin est un peu chamboulante psychologiquement, vous êtes là, hein, qu'est-ce que... Quoi ? Expliquez-moi. Alors, on peut s'amuser à faire plein de théories, je pense, là. Il y a moyen de s'amuser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse là, je vais aller manger, parce que j'ai faim. Voilà, j'ai faim. Et je vous retrouve très bientôt. Et je vous dis ciao les gens. Thank you.
Back home, Lord, my home was lonesome. Yeah. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers, sisters cry. See, but then now it's too short. Now it's one too short. Because it, then it goes, what a home. So here, we'll play it one more time. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers, sisters cry. What a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. So sad. Lonely. We're just missing one. We'll get the actual one. Something else. Can we run it through this video lyrics? There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the sorrow be unbroken by and by? Yeah.
should be like slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. Sounds otherwise, cool, there's like, well, otherwise there's just like an abrupt ending, right? All right. Well, what I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it 4/8 worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so excellent and professional. Yeah, no, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, sure. Cheryl Crow and Eric Clapton in a session. So he gets Eric Clapton, I get Cheryl Crow. Who do you want, Joplin? Rip. Yeah, Joplin. Xtina. Britney Spears and Seal. Anna? Anna, c'est toi?